La francophonie des Amériques, ça signifie quoi exactement? Pour moi, la francophonie, c'est l'expansion de la langue française presque dans tous les pays. Donc pour moi, la francophonie, c'est un bien commun qui permet aux gens parlant français de pouvoir échanger leur culture. Valorisation de l'héritage francophone. Pour moi, est un francophone en situation minoritaire ici dans l'Ouest canadien. C'est vraiment la cause bilingue français-anglais au Canada. Dans mon quotidien, j'échange avec des gens. Je discute afin de promouvoir. Partout sur le territoire des Amériques, des jeunes qui sont dynamiques pour faire rayonner la francophonie, qui entreprennent des actions avec les jeunes pour donner à ces jeunes-là l'opportunité de justement mieux se connaître pour mieux rayonner. Je suis Germaine Manouchka, je suis actrice de la FESA. Ah bon, ok, je suis sage Toto, tout comme toi. Je suis Bellette Georges. Nous serons tous unis, trouvons les solutions. Nous serons tous unis, mettons les en action. Nous serons tous unis, agissons, agissons. En tant que professeur à l'université, le fait de travailler non pas avec un stylo, un morceau de papier, de faire participer, de faire passer le petit mascotte entre les mains des gens et essayer de poser une situation problème et d'essayer de chercher à résoudre ce problème-là. Moi, je suis pour cette pédagogie. Il faut se servir de ses échecs quand on a quelque chose à entreprendre. Regardez-le. Alors, j'annonce officiellement le record du monde battu 9 ans. Planter l'espoir, c'est des petites graines. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Ça serait bien que ça soit planté quelque part à la Causade, comme ça, quand vous le revoyez, on se répète à toutes les mises en situation qu'on a faites, puis se rappeler ce qu'on avait appris pendant cette petite formation. Ce qui nous unit, c'est notre diversité. Ce qui nous unit, la Causade le sait, la francophonie des Amériques. Balumba, Balumba, Balumba. L'espoir est là-bas.